Loulou et mes loulous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve, eh bien, pour la guidance générale. Alors, je ne l'avais pas fait, comment? Avant, car comme tu le sais, j'avais une sinusite et quand j'ai une sinusite et que j'ai mal à la tête, je ne préfère pas faire les guidances. Avant de commencer, alors là, j'ai eu une chance pas possible, car j'ai été dans un magasin. Alors, pas forcément d'ésotérisme. C'était comme ça, il y avait des encens, enfin un peu de tout. Et comme le magasin fermait définitivement, elle faisait tous les oracles, enfin tout ce qu'elle avait à 10 euros. Alors là, j'ai sauté dessus. J'ai trouvé l'oracle, le petit oracle des fées, le petit oracle des couleurs, le petit oracle des animaux de pouvoir. J'espère que tu verras bien parce que là, avec la lumière, c'est pas évident. L'oracle des miroirs et l'oracle métamorphe que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Donc on va faire les cartes avec ceci. Et ensuite, eh bien, votre question par oui ou par non. Mais avant, je vais prendre les cartes des anges pour savoir quel ange ou archange va nous accompagner. Déjà, ça sera bien. Que je les oublie pas. Voilà. Alors, j'avais tout mélangé. Je remets comme il faut. Voilà. J'en regarde parce qu'il a l'air de m'en manquer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah bah oui, il m'en manque. Ah bah voilà. Bon, donc j'ai mes anges et mes archanges. Là, j'ai ma bougie et mes allumettes. Donc, on va allumer. Hop, on y va. J'ai bien sûr mes deux pendules pour la question oui/non en améthyste, mon quartz rose et l'œil de tigre. On va mettre ça là. Et bien sûr, avant de commencer, eh bien, cette guidance déjà est générale. Elle ne pourra pas malheureusement parler à tout le monde, mais si déjà elle parle à une personne, ça sera déjà très bien. Donc, à mes anges, à mes archanges, à mes guides, à mes défunts, pouvez-vous me mettre une bulle de protection pendant toute la guidance, ainsi qu'à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Merci, merci, merci. Allez, quel ange ou archange va nous accompagner dans cette guidance numéro 2? Ah oh bah, voilà. Il a volé. Et donc, c'est l'ange Mumia. Et on le définit comme Dieu fin de toutes choses. Celle qui vous rend tout utile. L'objectif que l'on atteint. Appelez Mumia pour qu'il illumine en vous le sens de l'infini et renouvelle sans fin l'énergie de l'envie. Il vous montrera en vous
montrant la fin, la saveur de la vie. Car cette fin signifie celle de votre renaissance. Mumia vous envoie votre nouvelle voix, elle éveille l'énergie et redonne la joie. Oh, merci Mumia. Allez, on va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, j'en oublie pas. Donc, le petit bouquin, j'en ai pas besoin. Donc, on y va. Allez. Oh, bah. On peut pas faire plus vite. Hein. Alors, oula, 3. Oui, bah, je les prends. Alors, pour certaines personnes, vous attendiez, des nouvelles au sujet de papier, de renouvellement de papier, eh bien, ça y est, la correspondance arrive. Alors, soit par mail, soit par téléphone, soit par courrier. Mais ça arrive, vous l'attendiez depuis un petit moment. Certaines personnes vivent dans un rêve. On dit des rêves éveillés. Alors, ce sont des personnes qui font forcément les rêves la nuit, mais aussi la journée. Donc, des rêves éveillés. Donc, des rêves pas forcément... des rêves un peu perturbés quand même. Hein. On va pas dire cauchemar, mais des verbes. Des rêves un peu perturbés. Et pour d'autres, eh bien, c'est la chance. Alors, la chance... Peut-être grâce à cette correspondance que vous attendiez. Alors, la chance de cette correspondance, tout simplement, si vous attendiez une signature, quelqu'un qui vous devait de l'argent, eh bien, allez-y, c'est le bon moment. Ou si vous deviez signer un contrat bancaire ou autre, eh bien, allez-y, là, on va vous téléphoner, allez-y. C'est votre jour de chance et pourquoi pas un petit grattage, on ne sait jamais. Donc, voilà, on commence déjà pas mal. Allez, on continue. Là, je vais faire la coupe et après, je vais disposer les cartes. J'ai un message alors d'un monsieur qui s'appelle André. Alors, ça parlera peut-être à quelqu'un. Qui me dit qu'il est bien là-haut, qu'il a retrouvé sa sœur. Ce monsieur était passionné de jardinage et surtout de fleurs, mais les roses, mais pas les roses rouges, les roses un peu pâles. Enfin, saumonné. Et c'était un grand amateur de vin. Donc, si ça parle à quelqu'un, André, j'ai fait le message. Voilà. Allez. On fait la coupe. Oh là. Aujourd'hui, il y aura la loi qui va se mettre dans... qui va arriver chez vous. Mais... au niveau professionnel, alors pour peut-être bien un contrat de travail ou alors vous avez mis votre employeur au prud'homme, et bien la loi va s'en charger et ça ne sera que positif. Pour d'autres, le travail, c'est en repos. Certainement dû à une longue maladie. Et donc, effectivement, vous avez fait des papiers auprès des assurances et tout ça pour toucher votre argent. Eh bien, vous avez du mal à recevoir cet argent. Vous allez être obligé, eh bien, de... faire appel soit un avocat, soit un médiateur, mais il y aura effectivement des gens de loi qui vont se mettre sur votre dossier. Donc là, je suis en train de les battre. Hop.
je vais les couper. Allez, je les étale. Et c'est parti. Allez, celle-ci. Oh, bah, la correspondance revient. L'étranger, alors ça peut venir aussi hein, de l'étranger, mais on verra ça après quand je les aurai installés. Eh bien, décidément, je les ai battus. Et il y a des cartes qui reviennent. Donc, effectivement, correspondance et loi, et oui. Vous avez bien sûrement fait des démarches pour des papiers administratifs ou autres. Eh bien, la loi va se mettre sur votre chemin. Ça va balancer en votre faveur. Je vous dis, les prud'hommes au travail ou alors un divorce. Et que, bah, voilà, vous avez dû prendre un avocat et... Ce qui fait que il va vous répondre là très très prochainement en votre faveur. C'est pas mal, c'est très bien. Pour d'autres, eh bien, il y a la naissance. Alors la naissance, ça peut être la naissance avec une personne étrangère, donc un couple mixte. Ou la naissance d'un projet avec quelqu'un de l'étranger. Donc, si vous aviez un projet d'entreprise, de contrat, eh bien, venir de l'étranger. Vous aviez peut-être l'intention de construire une maison avec une personne étrangère. Vous êtes français, lui, et je sais pas moi, australien, russe, eh bien, allez-y, foncez, c'est le bon moment. Et tout simplement, la naissance d'un enfant. Et ce monsieur, effectivement, a pris l'avion, a pris. Ce monsieur qui vient de l'étranger. A pris soit l'avion, soit le bateau pour venir en France. Ensuite, oh, la tranquillité. Enfant. Waouh, c'est trop beau. Il était temps. Donc, eh bien, grâce à cet amour inconditionnel que vous avez envers votre partenaire qui est peut-être d'origine étrangère, que vous avez rencontré depuis peut-être déjà un moment, eh bien votre couple, s'il y avait eu des tensions le mois dernier, eh bien ça y est, la tranquillité est revenue dans votre couple. Et effectivement, la naissance, là, ce n'est pas la naissance d'un projet ou d'une maison, mais bien d'un enfant. Vous aviez le projet d'avoir un enfant. Eh bien, ce projet va se concrétiser. Ensuite, pour d'autres, eh bien, qui étaient avec la loi suite à des papiers, la correspondance et tout ça, eh bien, vous avez le boomerang. Donc, les personnes qui vous ont, par exemple, le mari qui a divorcé, la femme qui a divorcé, ou ça se passe mal, ou vous aviez eu besoin d'un avocat, eh bien, ça y est, ça lui retombe dessus. Vous avez le boomerang. Ça va, la loi est vraiment là. Elle vous dit, je suis vraiment en ta faveur. Tu as bien fait de prendre quelqu'un, avec la loi, pour faire tous ces papiers. Et le retour de boomerang, eh bien, tu l'as. Tu auras ce que ton dû. Voilà, tu auras ton dû. Pour d'autres aussi, effectivement, le boomerang, ça peut être effectivement un enfant qui revient ou qui va venir. Vous l'aviez tellement attendu,
Et bien que voilà, vos prières sont exaucées. Et puis vous avez l'amour. Amour, amour. Allez. Hop, je vais faire une coupe. Ah, et ben voilà, la joie. La joie, effectivement, la joie, ben vous allez fêter soit un mariage, soit la naissance, soit, voilà, ça y est, votre la décision de justice qu'on avait, la loi, et ben ça y est, vous avez votre dû, donc vous allez fêter ça, vous allez... Bah, être en joie, vous allez fêter avec vos amis, le fait d'avoir gagné, le fait d'avoir réussi. C'est magnifique. Et puis pour d'autres, eh bien, la clairvoyance, vous allez voir, effectivement, ça y est, vous avez vu. Vous avez vu. Pour d'autres, il serait peut-être temps d'ouvrir justement les yeux, hein, parce que, y en a qui ferment trop les yeux, qui sont trop dans le flou, qui se pose encore beaucoup de questions sur beaucoup de sujets. Comme je l'ai dit la dernière fois, le passé reste au passé. Ouvrez les yeux, regardez vers l'avant. Ça ne sert à rien de passer, de rester dans le passé. Allez, on va sortir. Des petites cartes. Oh, la maison, la fatalité, le cadeau, le bouclier, l'ouverture. Oh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, la maison, vous êtes bien chez vous, mais vous aimeriez pour certains déménager. Donc, c'est le moment. Vous avez l'ouverture, vous avez la possibilité. Et c'était une fatalité de toute façon de déménager. Il fallait déménager, vous en aviez marre d'être où vous étiez, dans une grande ville. Là, vous avez besoin de calme, de sérénité. Pour d'autres, cette maison, cette fatalité, eh bien, c'est un cadeau. Pour d'autres, eh bien, effectivement, cette maison, cette ouverture, vous vous mettez quand même un bouclier parce que vous vous dites, ouais, il y a peut-être quelque chose qui est peut-être pas très clair, mais c'est votre destinée, c'est comme ça. Et puis pour d'autres, eh bien, voilà, le cadeau, eh bien, c'est la fécondité au sein de votre foyer. Et c'est un cadeau, vous l'attendiez tellement que vous n'y croyez plus. Ben ça y est, votre cadeau, vous l'avez. Pour d'autres, la fécondité, ça peut être aussi un projet que vous aviez, pareil. L'achat d'une maison ou d'un appartement ou d'un terrain pour faire construire. Et bien ça y est, le cadeau, il est là, vous avez. Vous pouvez, mais vous êtes toujours sur la défensive. Vous mettez toujours ce bouclier, mais c'était la fatalité. Un moment ou un autre, on ne peut pas échapper à son destin. Donc vous, et en plus, vous avez la clé, le soleil, pour réaliser eh bien, l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, faire construire, d'avoir un enfant ou de faire un enfant ou un projet avec des partenaires. Mais vous vous mettez justement un bouclier parce que les partenaires, des fois, hein, c'est pas forcément évident pour un projet. J'ai bugué. Un commerce, voilà. Et c'est, eh bien, c'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau. Hein. L'univers vous fait ce cadeau-là, plus pour les personnes qui vont enfanter. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. On va maintenant faire le petit oracle des animaux du pouvoir. Alors bien sûr, je les ai passés comment ? À la bougie, je les ai bien mélangés.
Et donc, je vais en tirer une. Allez, je vais en tirer une. Allez, celle-là me plaît bien. Enfin, je ne l'ai pas vue, je dis qu'elle me plaît bien. C'est le lézard rêver sa vie. Ah bah, on avait la carte du rêve. Donc, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et oui, vous étiez dans le rêve. Et à un moment, bah, il faut ouvrir les yeux et puis voir que, bah oui, le rêve, c'est bien, mais la réalité, c'est encore mieux. Eh bien, vous avez la possibilité de transformer vos rêves en réalité. C'est magique. J'adore. Avec l'oracle des couleurs. Je regarde si je n'ai pas oublié. Non. L'oracle des couleurs. Allez, je les bats. S'il y en a une. Ah, il y en a une. Non, je pensais qu'elle s'était retournée. Ah, il y en a une qui vient de tomber. Donc, je la prends. Oh, bah, décidément, la dernière fois, on était dans le bleu. Bah, là aussi, on est toujours dans le bleu. Le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Vous aviez la loi, vous vous mettiez un bouclier. Eh bien, oui, vous restez fidèle à vos valeurs. Quand vous avez décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Si vous aviez coupé les ponts, c'est comme ça. Vous ne revenez pas en arrière. Et si vous voulez vous sentir mieux dans les prochains jours, portez du bleu royal. Donc, c'est un bleu foncé. Ouais, c'est un bleu foncé. Magnifique. Et la dernière fois, il y avait du bleu aussi. Hein. Et ensuite, avec l'oracle des fées, on y va. J'en ai pas oublié, non. Alors, si je regarde le ciel, c'est en même temps pour me connecter avec l'univers, avec mes anges, avec mes archanges, avec mes guides et mes défunts. Il y en a une qui vient de tomber. J'adore quand ça saute. J'aime pas aller les chercher, j'aime bien quand ça saute. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée. Sans avoir mûrement réfléchi. Donc effectivement, vous aviez la correspondance, vous aviez le bouclier, donc la maison, la loi. Donc effectivement, réfléchissez bien, regardez bien, lisez bien avant de signer quoi que ce soit. Ne foncez pas la tête baissée. Sans avoir lu, sans quoi que ce soit, pour ceux, c'est plutôt adressé à ceux qui voudraient monter une entreprise, un commerce et s'associer avec des personnes. Donc, gardez la tête lucide, restez lucide et lisez bien entre les lignes, les petits paragraphes et réfléchissez bien justement avant de signer quoi que ce soit. Ensuite, eh bien, on va faire la première fois Métamorphe. C'était dans un joli pochon. Alors, par contre, je ne connais pas du tout. Donc, je vais me servir là, par contre, du petit livre. Ça serait vous mentir en vous disant, ouais, je le connais par cœur. Non. Donc, elles se présentent comme ceci. Elles sont trop belles. Elles ont le côté doré. Elles sont magnifiques. Donc, pareil, hein, elles ont été brassées, mélangées et... purifié. Alors, comme je ne les connais pas, mais je ne les ai pas tapés. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Et en même temps, de ne pas forcément regarder les cartes. Ça me permet de me concentrer à l'univers, mais aussi ça permet bah, justement de ne pas tricher et que j'en sorte une sans que vous la voyez ou que je m'amuse, voilà. Ah, oh là, il y en a beaucoup trop, hein. Elles ont volé. Oui, mais là, non, vous êtes gentils, mais il y en a beaucoup, beaucoup trop. Oh là, je vais être obligée de me lever. Elles ont vraiment volé, hein. Je vous mets
Bon, j'espère que j'en ai pas oublié. Elles avaient vraiment sauté. Sauté, sauté, sauté. Non, non, il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous les avez vues sauter, mais c'était impressionnant quand même. Hein. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, mes défunts. Une petite carte pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance. Sinon, je vais être obligée d'aller vous chercher. Je n'aime pas aller vous chercher. J'aime bien quand vous venez tout seul. Et une seule. Bon, ben, ils n'ont pas décidé. En même temps, ils ne connaissent pas peut-être ce jeu ou ils ne sont peut-être pas habitués que je m'en serve surtout. Ouais, Mia. Je vous le montre comment ça s'écrit. Pour celles qui aimeraient le... Je sais pas si ça, vous allez bien voir, voilà. C'est pour justement l'ange de la fin, mais aussi le recommencement. Votre objectif est atteint. C'est beau. Non, il y en a trop. Bon, je prends les trois, allez. Soyons fous. Alors, Kitson, je vous montrerai à qui faire confiance. Vous aviez le bouclier. Vous aviez le bouclier, vous aviez la loi. Ça correspond tout à fait. Donc, Fiona et la licorne, le don de la double vue. On avait la clairvoyance. Et l'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique, ce qui va avec la clairvoyance et le don de double vue. Donc par contre, on va lire, enfin je vais vous lire à quoi ça correspond, parce que comme je vous l'ai dit, je ne les connais pas et je n'ai pas envie de vous inventer n'importe quoi. Alors, Kitchun. Donc, je vous montrerai à qui faire confiance. Qu'est-ce qu'elle nous dit de beau? Vous allez tomber sur une série de coïncidences apparentes. Grâce à ces informations, vous pourrez décider de la meilleure ligne d'action. Savoir à qui faire confiance ou investir vos précieux efforts. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, attention de ne pas signer n'importe quoi avec n'importe qui. Vous percevrez peut-être du coin de l'œil une fugitive lueur d'or rouge ou du brillant yeux marron à travers la fenêtre. Les thèmes japonais feront leur apparition dans votre vie sans raison apparente. C'est le signe que Kitsune est là pour vous aider. Il assume souvent d'autres formes alors si votre voisin a un chat roux, un chien au pelage doré, ou si un rouquin apparaît dans votre vie, demandez-lui s'il s'agit d'un kitsune. Vous le reconnaîtrez à son comportement étrange, reniflement, grande vigilance, mouvement vif. Il vous posera de nombreuses questions personnelles et testera vos limites avec provocation pour la période où il restera avec vous. C'est rarement le cas une vie entière. Il se montrera authentique et vous dans tous les sens du terme. C'est un grand message entre le grand esprit et vous ici-bas. Oh, c'est super. C'est magnifique. Il vous conseille de ne jamais mentir. Si vous mentez, il vous le fera savoir. Donc, Kitsune est le nom japonais d'une fée renarde, un esprit qui a pris la forme d'un renard. Les Kitsune sont très intelligents et peuvent procurer de grands dons et de grands bienfaits à ceux qui voyagent avec eux. Kitsune vous aidera à démasquer et à repousser ceux qui veulent vous voler, vous vendre une chose sans valeur ou essayer de capter votre énergie, votre personnalité ou votre destinée. Comme je vous ai dit, faites attention. C'est super. 29.
29, 26, 27, 28, 29. Fiona et la licorne, le don de double vue. Les mondes se mêlent en ce moment. Il est probable que vous soyez dans vos propres yeux un monde se superposer à celui-ci. Vous voyez des halos énergétiques autour des gens, des objets, des plantes et même des bâtiments. Vous voyez des couleurs, des champs d'énergie, des orbes, des entités. Vous voyez tout ce que vous ne voyiez pas auparavant. Votre sommeil est perturbé. On avait la carte des rêves. Vous avez vu, ce n'est pas forcément des cauchemars. Vous avez sans doute un sentiment de désorientation, l'impression que vous avez perdu votre santé mentale. Non, vous n'êtes pas fou pour ceux qui ont des dons. La licorne et moi, donc Fiona, sommes ici pour vous guider à travers cette période. La licorne vous aidera à purifier l'énergie qui entre en contact avec vous. Buvez beaucoup d'eau durant ce processus d'ouverture de votre troisième œil. Ah, ça c'est peut-être pour moi et puis peut-être pour d'autres aussi. Donc boire beaucoup d'eau. Vous allez parfois avoir l'impression de recevoir trop d'informations à la fois. Ouais, c'est clair. Quand ça arrive, les messages, c'est atroce. Cela passera. Nous serons votre assistant durant cette étape. Demandez-nous ce dont vous avez besoin. Nous ferons de notre mieux pour traduire vos visions, vos mots. En mots compréhensibles, ne cédez pas à la peur et ne repoussez pas cette expérience visionnaire. C'est trop beau. Je le prends aussi pour moi. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Il sera utile de travailler dans la nature avec les cristaux des fées pour créer des visions pures, à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillent. Prenez le temps de marcher avec les fées et les licornes. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. C'est magnifique. Ouais, je le prends pour moi aussi. Et 33, l'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique, Vous êtes plus vulnérable que jamais, effectivement. Quand on développe d'autres capacités, on est beaucoup plus vulnérable, on est ouvert. Vous êtes semblable à un enfant, un bébé réellement fragile en ce moment. Voilà, c'était le mot fragile que je cherchais. Ce n'est pas pour vous alarmer ou vous affaiblir davantage que je le souligne, car vous deviendrez plus fort avec le temps et dans l'intervalle, je vous protège. Regardez les nouveau-nés, ils sont solides et résistants et pourtant, après être passés de l'eau, de la matrice, au monde d'air, ils affrontent une période très vulnérable. Ils ont besoin de parents protecteurs. Tout comme eux, nous avons besoin de mentors quand nous naissons à un monde suprasensible. Sans leur aide, nous serions submergés, de nouveau précipités dans un état familier plus rude et faussement sûr. Nous avons besoin d'être guidés, protégés, accompagnés par ceux dont le sens sont plus raffinés et aiguisés. Oh, c'est trop beau. En dépit de son air fragile, cette créature, donc l'alligator, tient dans ses bras un animal féroce destiné à éloigner les prédateurs. Il est farouchement et inébranlablement dévoué à sa protection. Tous deux sont vulnérables. Ils combattront et tueront tous ceux qui tenteront de vous faire du mal. Alors, au second degré. Il peut s'agir d'un bébé, d'une femme enceinte, d'une personne âgée ou mourante, ou de quelqu'un qui passe par une intense catharsis par suite d'une blessure, d'une grave maladie. L'alligator l'accompagne durant cette période de danger et repousse les mauvais esprits qui veulent fondre sur lui ou sur elle. L'être qui l'accompagne à la fois, la déesse hindoue, Durga, a pouvoir primitif et féroce, le Gange, le dieu fleuve, qui peut domestiquer le crocodile, le chevaucher. Oh là 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 là. Vous êtes préoccupé par la maladie, la mort, une expérience de mort imminente, un questionnement sur l'au-delà, sur le voyage de l'âme. Vous avez le sentiment
que le jour du jugement approche. L'équilibre karmique doit être réalisé tout de suite. Il faut réajuster tous vos chakras. Vous êtes protégé pendant que vous passez par une période de grande transition. C'est magique. C'est magique. Donc ça, ces cartes-là sont destinées plus aux personnes éventuellement qui développent leurs dons, hein, soit médiumique, soit clairvoyance, audiente. Mais c'est magique quand même. Donc, on va finir par la carte, une autre carte de nos... je suis en train de ranger en même temps. Une autre carte de nos anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Voir si ça concorde bien avec toutes les cartes qu'on a sorties déjà. S'il vous plaît, une petite carte. Merci, merci, merci. Oui, il y aura beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Des questionnements à propos de personnes, à propos de biens, à propos de travail. Vous êtes, comme on dit, le cul entre deux chaises. Et n'oubliez pas le message d'André. Hein. Donc, si ça parle à quelqu'un, donc connaisseur et amateur de bon vin et jardinier, mais un jardinier, mais qui aimait faire pousser des roses, mais des roses roses pâles, roses poudrées, enfin, voilà. C'est magique. Bon, y a personne qui veut parler, là? Alors? Je vais être obligée d'aller vous chercher, vous savez que j'aime pas aller vous chercher, j'aime bien quand vous sautez. Oui, mais là, vous voulez trop parler, là, il m'en faut qu'une, voire deux, mais... pas 50. Sinon, j'en prends une si je vais la chercher. Bon, je vais aller la chercher. Alors, on va voir effectivement si tout... Allez, je prends celle-là. Je ne la retourne pas pour l'instant. Je range cela. Puisqu'ils n'ont pas sauté, donc nous en aurons qu'une. Et nous avons la gratitude. Ah voilà. Sachez apprécier le don de la vie. Alors là, tout va ensemble, hein, le don de naissance, de la loi, soyez gratitude, oui, remerciez l'univers, le divin, remerciez la vie tout simplement de tout ce qui peut vous apporter, tout ce que vous appréciez dans la vie, remerciez. Ça concorde exactement avec toutes les cartes qui je vous ai dit précédemment. Donc, c'était la gratitude. Pardon, je ne voulais pas montrer. La gratitude. Tout concorde. Alors là, il y a des fois, je ne mets pas que moi-même. Non, ça ne va pas là. Si je commence à foutre le brin. Donc là, il va être temps, mes amis, de vous poser une question. Alors, bien sûr, qu'il ne fasse pas 3 km de long. De vous poser une petite question et pour avoir une réponse. Donc éventuellement vous mettez sur pause. Je vous laisse réfléchir à votre question. Alors avant de vous poser la question, vous fermez les yeux et vous prenez une inspiration. En remontant bien les épaules et quand vous relâchez votre souffle, vous baissez les épaules. Ça vous permet de dégager toutes les énergies. Posez-vous la question et moi je prends mon pendule. Es-tu prêt à répondre? Eh bien, ça y est. Donc il est prêt à répondre à votre question. Allez, je vous laisse encore... 10 secondes, 9, 8, 7. C'est parti.
Pendule, peux-tu répondre à la question que tous les abonnés ont posée par... Ah bah c'est un grand oui. C'est un grand oui. Eh bah je suis très fière. Alors je ne sais pas ce que vous avez posé en même temps. Comme question, je suis très fière, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a dit oui, je voudrais qu'un tel meure ou je sais pas quoi. Je suis très fière. Non, mais je suis fière qu'il ait bien, qu'il ait répondu, voilà, tout simplement, à votre question. J'aime bien quand, bon, j'aime, c'est vrai que ça soit favorable ou pas favorable, il faut que ça réponde. Donc, voilà, et moi, je vous transmets ce qu'il me dit. Donc, voilà, bah, j'espère que cette deuxième guidance vous aura plu. Mais avant de vous quitter, je voulais faire une petite aparté qui m'a hérissé tous les poils que je peux avoir. Aussi bien de la tête, des bras et de partout. Donc je ne dirai pas qui, je ne dirai pas quoi, par si bien sûr sur cette chaîne il y a des gens qui connaissent la personne, une personne qui fait le pendule, qui m'a hérissé, comme je vous dis, les poils de mes bras de partout, hein, qui m'a même énervé d'ailleurs. On avait l'impression qu'elle avait Parkinson, hein, parce que alors le pendule répond. Bien sûr, si tu le fais balancer comme ça, le pendule, il va te répondre. Hein. Mais non, le pendule, ça ne se fait pas comme ça. Déjà, tu dois avoir le bras bien calé, justement, pour qu'il soit bien positionné. Ton pendule, alors, je vais vous faire une démonstration. Comme quoi, le pendule répond tout seul. Généralement, votre coude doit bien être stable. Là, mon bras va être en l'air. Donc, vous allez voir que s'il répond à la question que je vais lui poser, vous allez voir que ce n'est pas moi qui fais bouger. Hein. Ma main, vous verrez ma main, mon coude. Et je vais demander au pendule, est-ce que je m'appelle bien Corinne? Allez, mes guides. Et voilà. Donc le pendule. Et voyez, ma main ne bouge pas, mes doigts ne bougent pas, mon coude ne bouge pas. Là, il me dit oui, hein. Heureusement. Il dit oui, oui, merci, merci, merci. Donc, mon cou, mon bras est tendu. Hein, mon bras est tendu. Vous voyez, si mon bras est tendu et que je ne le balance pas, hein, si je le balance comme ça, effectivement, hein, il peut aller dans tous les sens. Hein, voilà. Hein. Après, une fois qu'on l'a, on va dire, on lui a donné un mouvement, il va où vous voulez. Par contre, tant que vous ne lui avez pas posé la question, et que vous êtes vraiment dans le pendule et que vous êtes vraiment médium, voilà, là, il ne bouge pas. Enfin, je tremble un peu parce que je suis en élévation. Comme je vous dis, généralement, mon coude devrait être posé sur la table. Vous voyez, il ne bouge pas. Donc, est-ce que je m'appelle Corinne? Peux-tu me répondre, s'il te plaît? Par une réponse franche. Et oui, voilà. Là, il tourne. Et vous voyez, ma main ne bouge pas, rien ne bouge, hein. Et je suis en élévation, je peux vous dire que j'ai très mal. Merci, merci, merci. Et voilà, une fois que le pendule vous a répondu, il doit se stabiliser et il ne doit plus bouger. Donc la personne qui s'amuse, toi qui t'amuses avec ton pendule, alors peut-être que tu as Parkinson, j'en sais rien, mais arrête de raconter des conneries. Un pendule, on ne le fait pas bouger. J'ai regardé ta vidéo, j'ai vu ta main le faire bouger comme ça. Donc arrête de prendre tes abonnés et les personnes qui te regardent pour des connes. Il y en a marre à la fin. Ou vous êtes vraiment dans le paranormal, vous êtes médium, vous avez reçu un don, ou vous ne l'avez pas. Mais arrêtez de prendre des gens pour des cons. Bon là, à mon avis, je me suis un petit peu emballée. Mais en même temps, ce n'était pas moi qui a parlé. Il y a une personne qui le saura. Donc voilà, c'est pas un jeu, le pendule n'est pas un jeu, les cartes sont pas des jeux. Donc si vous avez envie de jouer avec les cartes, prenez un jeu de cette famille, prenez un jeu de cartes ordinaire et jouez à la belote, jouez au tarot, jouez à ce que vous voulez. Mais c'est pas un jeu, on n'est pas médium pour faire croire aux gens n'importe quoi. Les messages qui arrivent, c'est voilà, ils arrivent, je sais pas d'où ils arrivent. Donc arrêtez, 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 parce que dites-vous bien
que là-haut, l'univers, le divin, il vous voit faire ce que vous êtes en train de faire. Et un jour, le divin et l'univers vont en avoir marre et il va vous faire la misère de chez misère. Je peux vous le dire que ça va vous faire tout drôle. Mais après tout, hein, comme on dit, quand on joue avec le feu, à un moment on se brûle, eh bien c'est normal. Maintenant, hein, à bon entendeur, salut. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu, vous aura plu. Je te et je vous love de tout mon cœur. Vous êtes des abonnés en or massif. Redescends en pression, Corinne. Je t'envoie et je vous envoie des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de bisous. Vas-y, attrape-les. Et je te dis à très très vite dans de prochaines aventures. Ciao, ciao.